attendre. Alors là, retrouver un chanteur qu'on aime particulièrement, il s'appelle Joël Prévost. Vous voyez, il a fait une chanson à l'époque, il a participé au concours de l'Eurovision avec Il y a des violons sur les toits, c'était une belle chanson. Et là, il nous interprète, d'ailleurs, Il y aura toujours des violons, donc que nous allons écouter, écrit par Didier Barbelivien. Joël Prévost. Merci Joël. Alors, je suis dans mon magasin et là, qu'est-ce que je trouve? Erika, voilà, ici, madame.